Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis, toujours dans les Robocraft Days, hein, toujours le mercredi du lendemain de l'épisode 200. C'est techniquement l'épisode 202. Nous partons en Battle Arena avec Ninja Turtles, renommé allègrement durant l'épisode 200, il me semble, si je ne me trompe pas. Et nous espérons avoir suffisamment de crédit à la fin de cet épisode pour pouvoir nous payer un Blink. Un Blink qui nous permettra, sur notre le ski c'est la vie, donc notre SMG ski et over, hein, faut l'admettre aussi, de Blink et d'aller nous rendre plus rapidement sur les tours et les différentes possibilités de rush sur les bases ennemies, tout simplement. Hop, on a un Scarab. c'est bien fait. Baran V1.1, d'accord. Tempter, Jet F55, X-Wife. Ah, je suis curieux de voir ce que c'est ça. Gelda 880. Advanced Carbon Drone, d'accord. J'ai peur de ce que c'est par contre. Coffee Beans. Ah, ça a l'air intéressant pourtant. Alors, j'ai peur d'une chose. C'est qu'il penche en arrière, ce robot. On a aussi Grimlock, mais c'est bon, il penche pas en plus. Mais il est parfait, ce robot. Il tient le coup, ce robot. Alors, nous verrons bien si c'est efficace ou pas. Hop. Je vois pas un seul ennemi. Hop. Qu'est-ce qui a pu me faire autant de dégâts? Hop. Cette tour est à nous. Je me prépare à réattaquer tout ennemi volant se présentant devant moi. Oh, celui-là je l'ai raté, il faudrait qu'on m'explique. Je sais pas comment j'ai pu le rater celui-là. À cette heure-là ? Hop ! J'aime pas le fait d'avoir été spotted. Ok, ça reste au campement, c'est génial. Hop. Ok, j'ai plus de roues. Hop. Faudrait que je puisse être régène. Merci. Oula, on se calme. Oh bah, d'accord. Merci la régène de merde. Hop. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Merci. On va espérer qu'il me couvre le temps que je me retourne.
cru voir un méchant là-bas, mais j'ai dû me tromper. Attends, j'arrive, mon pote, j'arrive. Allez, feu! Ah, dommage. Pas assez solide, hein. Pas assez solide, chers amis. Hein. Pas encore. C'est pas grave. Tant qu'ils ne prennent pas la tour. Coffee Brains! C'est pas Coffee Beans, c'est Coffee Brains! Brains. Ok, c'est parti, on y retourne. C'est la fête! Donc j'ai l'impression que ce lance-missile va être plus utile que ce que j'imaginais au final. Principalement pour les ennemis à longue portée. Sur les maps bien ouvertes comme celle-ci, ça peut être très 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 pratique. Ce qui en soit est une excellente chose. Hein. Soyons honnêtes, c'est une excellente, excellente chose. Vu que c'était ce qui nous faisait défaut avec ce robot. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui me tire dessus? J'aimerais comprendre ce qui me tire dessus, s'il vous plaît. Merci. Dommage. Je l'ai compris qu'à la fin, en fait. C'est un mec qui avait respawn à un moment, ils ont récupéré la tour et j'ai été stupide de pas y penser. C'est véritablement dommage. Oula, par contre ça c'est peut-être un petit peu être bourrin. Ouais, tu risques pas de gagner mon pote, hein. T'es au courant? Apparemment oui. Pourquoi pas alors? Si t'es au courant, tant mieux. Oh la branlée qui se prend. Ah il tente, hein. Il tente tout. Il joue sa vie sur la partie, hein. Dégage, t'es chiant. Reste pas dans le milieu. Faut que je te double. Merci. Hop. Hop. Quoi? Comment elles sont passées au-dessus? Hop les. Comment elles ont pu passer au-dessus? La branlée qui m'a mis. Ok, faut espérer pouvoir reculer sans se faire tirer dessus et toujours en continuant à se régénérer. Sinon, c'est la merde. Merci l'ami, tu me sauves la vie, littéralement. Hop, et moi je te pique ton frag. Ah, c'est pas le bon endroit. Déjà régène celui-là. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a eu le bouclier qui est revenu. Ok, je capte. Pourquoi pas. On n'arrive pas à leur enlever les derniers points de vie qui leur restent. Ils sont jolis les robots qu'on a dans notre équipe en tout cas. J'aime bien. Ok, on sent que Chris est très actif à l'heure actuelle. Une activité véritablement impressionnante pour un joueur de ce niveau. On sent surtout une espèce de rage au combat incroyable. Ah. Bon bah GG. J'ai pas suivi la fin de la partie. Ils ont abandonné ou... Oh, je suis premier. Eh, c'est la classe ou c'est pas la classe?
Ce robot qui était pratiquement inefficace avant, on a rarement gagné une game avec, est devenu OP. c'est pas génial. 800 000 crédits, on a de quoi s'acheter un Blink. Hop. On a même de quoi s'acheter un disque shield. On va s'acheter un Blink pour l'instant. Hop. C'était ce qui était prévu et je vais enfin pouvoir vous le présenter, ce Blink. Est-ce que c'est gros comme machin ou... Ah putain, oui, c'est assez balèze quand même. C'est assez balèze. Ok, ça voudra pas se mettre là. Ok, alors il faut qu'on le place déjà. Non, ça voudra pas se mettre là non plus. Ou alors, faut peut-être le mettre là. Juste à l'arrière. Est-ce que le sens veut dire quelque chose? Parce que si oui, je l'ai dans le fion, littéralement. Hein, mais sinon, c'est bon. Si le sens ne veut rien dire, si je peux le mettre dans n'importe quel sens sans que ça fasse de caca... Très cool. Par contre là je peux pas mettre mon autre bouclier, donc, enfin mon autre truc, donc c'est chiant. Puis là aussi ça va être chiant. Et ben voilà. Voilà où il sera parfait. Bien qu'un peu trop exposé, soyons honnêtes, il est un petit peu trop exposé ici. Je peux pas moins l'exposer en fait. Ok. Ok, bah écoutez, on va le mettre là. Hein. Si on peut le couvrir un poil. Si on peut le couvrir un tout petit poil, ce serait parfait. En gardant nos deux. Il veut pas. Il veut pas du tout là. Ok, pourtant j'ai supprimé quelques petits trucs. Du coup, cosmétiquement parlant, faut que je refasse plein de choses. Non. Oui. Voilà. Attends, la question est-ce que je vais pouvoir, cosmétiquement parlant, camoufler un petit peu ce truc-là. Oui, on le sent, le gros camouflage, là. Vous le sentez, mon gros camouflage? Bon, bah on va rigoler, on va bien voir. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il frotte le sol? Est-ce qu'il se dirige dans la mauvaise direction? Je ne sais pas, je veux tout savoir. Combien de temps il y a de cooldown? Est-ce qu'il y a une notification de cooldown? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un temps d'afficher au niveau du cooldown de cette arme? Ça pourrait être intéressant, enfin de ce module en tout cas. Ok, et boum! C'est stylé. Donc, d'accord, il y a une espèce de système comme ça, ok, donc le système très classique. J'ai l'impression qu'il a stabilisé le robot. En ajoutant un poids central, j'ai l'impression qu'il a stabilisé le robot. Incroyable. Incroyable. Si c'est le cas, c'est parfait. Alors, voyons. Oh la vache. Ah oui, ça sprint vraiment, vraiment très loin. Cool. Bon, depuis le temps qu'on l'attendait, ce truc-là, chers amis. Eh bien, écoutez, on va en faire profit dans la prochaine vidéo. Je vais juste repeindre quelques petits trucs. Hop. Blanc. Noir. Hop. Blanc. Voilà.
Et on devrait être plutôt bon. Pourquoi ça me l'a pas mis là? Ah voilà, c'est mieux comme ça. C'est bien, bien, bien mieux comme ça. C'est quoi ton truc? Bébé. Même d'ailleurs, est-ce que je peux rajouter un cul de ce genre? Voilà. Par contre, là, il va me falloir ça comme couleur. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Ok, bah ça me semble plutôt bien tout ça. Ça me semble plutôt bien. Voilà. J'aurais bien aimé en rajouter un petit peu plus. J'ai pas quelques cubes qui sont inutiles quelque part. Apparemment non, hein. Apparemment il est assez assez bourré celui-là, on va dire, hein, si je puis dire. Ah bah là j'en ai que d'un côté, bah voyez comme quoi. J'ai complètement zappé le côté très appuyé sur la touche X. Ouais, c'est la fête. Eh bien écoutez les amis, on se retrouvera dans le prochain épisode pour la suite. Merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures et n'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour faire rêver les amis, je vous en remercie. Allez, à plus. Le jeu m'empêche de jouer maintenant, ça y est, là autre chose.